dans cet épisode, on va voir la remise à l'eau de Monique en deux parties, ce qui va nous permettre, donc, comme on l'a déjà dit, de traverser le canal du Midi. Et on sera rejoint par Maurice et Michel, qui sont deux amis, et qui vont nous aider pour le passage des écluses. Donc là, pour l'instant, la question, c'est est-ce que le morceau arrière va être trop incliné vers l'arrière, ou est-ce que, d'après les calculs qu'on a fait, ça va se passer correctement? Le capitaine du port vient nous demander de remplir les ballasts parce qu'en fait la péniche les sangles sont un peu décentrées vers l'avant de la péniche, de la partie arrière, et donc il va falloir ballaster pour que la grue soit pas déséquilibrée. Oui, on peut faire ça. Si, il doit y avoir. Et comme on remplit les ballasts avec un tuyau d'arrosage, il y en a au moins pour 2 heures. C'est pas mal. Là, celle-là, il n'y a que 3 tonnes derrière. Tout le poids est là. Ouais, ouais, ce que vous m'aviez dit, ouais. Mais on en avait parlé, vous m'aviez dit que vous alliez mettre les sangles, mais vous ne pouvez pas, en fait. On a essayé, on ne peut pas. Et si on soulève juste un peu, vous remettez les tréteaux et qu'on les déplace après, non, c'est trop de... Bon, bah, on attend un petit peu, alors. On n'a pas le tuyau, là. Au moins de la pire, c'est les trois, c'est pas mal. Combien ça fait ça? Ben, ça fait une tonne chacun. 3 tonnes, et dessous, là, j'ai 3 tonnes et demie. Ça fait 6 tonnes et demie. Je vais revenir sur cette il vaut mieux, comme ça, mais c'est mieux. Mais bon, faut le temps. Là, le morceau, il n'y aura pas de problème. Ouais, je sais. Il n'y a pas de problème. Ça prend un peu de temps, mais bon, il vaut mieux ça que. Et ouais, c'est con, parce que si j'avais su, je l'aurais fait ce matin ou hier soir, mais bon. Pardon ? T'as déjà tout vu ? Oh, encore 1 heure les gars, c'est bon. Hein ? Encore 1 heure. Oui, il est presque à la moitié là. Ça va aller, hein ? Je pense. Il jette à l'eau là et qu'on verra après. Donc reprenons. Nous avons Maurice. Oui, je te suis. Une écluse. Oui. La partie avant du bateau. D'accord, la partie arrière. La partie arrière du bateau, donc on a dit que c'était attaché. Il y a des pattes. Les portes de l'écluse qui sont fermées. Oui. Nous arrivons. Oui. Ici, on appuie sur le bouton qui commande l'ouverture de l'écluse. D'accord. Donc on descend, hop, on appuie sur le bouton. Ça se soulève. L'eau arrive au même niveau. D'accord. Les portes s'ouvrent. D'accord. Nous rentrons dans l'écluse. D'accord. Nous, tout le monde. Les deux Moniques. Tout. Ah. Voilà. Mais voilà, tout ne rentre pas. D'accord. Donc là, nous détachons les amarres qui tiennent les deux morceaux ensemble. Nous détachons les ligaments croisés du docteur. Oula. On détache tout. Mais tu détaches tout. Donc c'est vissé tout ça. C'est des sangles, c'est attaché. C'est... Là, la partie avant qui est dans l'écluse, on l'attache dans l'écluse. Tout est détaché. D'accord. On met la marche arrière. On recule. Oui. Ça, t'en as pas parlé. Et il y en a un qui est à terre, là, qui est allé à terre, qui prend le crochet et le câble du treuil. D'accord. On déroule le treuil. On va l'attacher au bollard qui est ici. D'accord. Et on appuie sur l'autre commande du treuil. D'accord. Et la partie avant sort. D'accord.
Ça, le principe est très bien. On referme les portes de devant et on fait la même chose. On attache tout et on repart. Mais c'est tes pattes moi, qui me font peur. Mais quoi? Les pattes, le lien, le ligament croisé. Mais alors, entre les deux écluses, il y a deux bollards que j'ai fait souder par le... Qu'est-ce que tu appelles? Les bollards, c'est des bits d'amarrage. Tu d'accord, vois, d'accord. C'est ce qu'on utilise pour attacher le bateau à quai, normalement. Et il y en a un sur chaque partie de chaque côté. Ça suffira pour vraiment que ce soit assez rigide. Oui, parce qu'en fait, une péniche, ça se conduit comme si tu poussais là, tu vois. Mais justement, et justement. Voilà. Et donc, en fait, si tu veux... Donc ça m'est aperçu la nuit dernière. Oui, très bien, oui, bien sûr. C'est dur. Mais, tu vois, hein? Non, mais tu dis que je ne suis pas assez pour optimiste. Non, mais le là, là, je suis très déçu. Moi, je pensais avoir des amis qui me soutiendraient, tu vois. Là, c'est lourd, hein. Non, d'accord. Bien se passer. D'après les calculs, on devrait avoir le cul qui devrait être 30 cm plus bas que que l'avant. Et si c'est plus, c'est embêtant parce qu'on aura du mal à passer dans le canal. Moi, satisfait. C'est bien, le temps, je pense, cool. Ça.
un bon calcul. Ah ouais, c'est une très très bonne chose. Bon, on était dans le doute un peu, hein, normal. Hein. Ouais, donc... Parce que réduire, rallonger, tout ça on a fait, hein, mais là jeter deux demi-morceaux comme ça. Maintenant que la péniche, la partie arrière est dans l'eau, on se rend compte qu'en fait, l'équilibre est un peu trop vers l'avant. C'est-à-dire que le ballast qu'on a rempli sur les conseils du capitaine du port, en fait, il va falloir le vider. Et donc ça va reprendre 2 heures, ce qui va permettre au gouvernail d'être bien dans l'eau et de pouvoir naviguer. On voit la trace de l'eau, il y a à peu près, on va dire 5 cm. Lors de la remise à l'eau de la partie avant du bateau, il y avait une poche d'air sous la coque, ce qui est assez normal. Sauf que là, l'air est sorti tout du même côté. Donc on avait des bulles qui ne s'arrêtaient pas de sortir. Et on a eu une petite frayeur. On s'est demandé si ce n'était pas une entrée d'eau, en fait. Et puis après vérification, en fait, non, il n'y avait pas de problème. Celle-là dans l'autre. Plutôt devant. Faites de bruit, vous. Ça bouge pas, bouge pas, il est bon. Voilà. Alors celle-là. Faut détendre celle-là. Ouais, faut détendre celle-là. Celle-là, faut l'étendre. Exactement. Voilà. Encore. Si vous tendez, c'est bon. Encore, je l'étends un peu. Ouais, et là, et voilà. Voilà, la première, stop. Oh, mon, on est pas mal là.
Donc en fait, on est bien satisfait parce que là, après tous les calculs qu'on avait fait, on avait quelques doutes et on se rend compte que tout fonctionne exactement comme prévu, c'est-à-dire que les deux parties sont attachées, la péniche navigue comme une princesse. Je sais pas. Les Moniques. Les Moniques, ça navigue comme des princesses. D'accord.